Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Benzebut et on se retrouve aujourd'hui sur le PTS pour pouvoir regarder plusieurs choses. Donc la première chose c'est le système de quête de l'autre côté. Vous l'avez juste là, petit coquin. Donc quand vous cliquez dessus, maintenant vous avez vos quêtes journalières qui s'affichent. Et la magnifique quête, Benzebut. Tu dois regarder une de mes vidéos. Quête réussie, lui, t'es en train de la regarder maintenant, bien joué ma gueule. Donc, cette quête, derrière ma tête, c'est chaque fois que vous avez réussi 5 quêtes, vous gagnez 25 gemmes. Et au-dessus, vous avez les quêtes journalières qui sont par exemple jouer 2 parties en tant que dieu nordique ou 3 parties en tant que guerrier et vous recevrez des faveurs. Il faut savoir que ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la journée, ce qui veut dire que vous pouvez faire 2 games en tant que guerrier et demain, le lendemain, pardon, faire une nouvelle game en tant que guerrier. Ça marchera tout à fait. Plus besoin de faire ça tous les jours. Et tous les jours, vous recevrez par contre une nouvelle quête. Donc essayez au moins de finir une quête tous les jours pour ne pas perdre une quête en fait. Bon, vous me comprenez, j'ai un peu du mal à l'expliquer. Comment va se passer cette vidéo? Donc, on va lancer déjà la Jouste. On est tous là pour voir cette nouvelle salle. Donc, je vais créer une salle contre un bot. Hein, on n'en a absolument rien à faire. Hop, 1v1. Alors, attention. Donc, d'abord, je crée une salle contre un bot. Et après, je mettrai une vraie game. Et donc, vous allez voir, ça va couper. Je vais mettre des coupures pour que vous puissiez voir tous les buffs jungle, la map. Et après, on jouera contre des vrais gens. Donc, voilà. On se retrouve en game. On est donc parti avec la nouvelle sol. Hein, le skin que vous gagnez si jamais vous avez tout acheté. Écoutons. D'accord. Inoker totalement. Je pensais qu'il allait y avoir la musique et tout ça. Donc, non. Pas de musique. Hop, on up tous ses sorts. Il y a le système de reliques maintenant, les reliques qui sont gratuites. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un truc, l'Enfabet Dragon, ça me fait délirer. Le nom il est juste dégueulasse. Vous balancez un spell en face de vous, c'est un petit spell qui fera des dégâts et qui diminuera aussi la résistance magique de la personne qui sera touchée. Donc ça me fait grave kiffer parce que ça change. L'égide, le ceinture de soutien, on n'aura pas vraiment besoin. Je vais prendre la colère des dieux parce que c'est marrant. On prend vite le stuff. Allez, le nouvel item qui fait que quand vous tuez un dieu, eh ben vous avez 8 secondes de cooldown en moins sur votre spell. Donc ça c'est juste trop fort, on prend tout ce qu'on peut. Si je prends pas les bons items, vous ne m'en voudrez pas. On est juste là pour s'amuser. Donc regardez-moi, ça c'est juste magnifique. Donc oui, si vous étiez fan de comment ça s'appelle, de la légende du roi Arthur, je suis vraiment désolé pour vous. Le phénix est un roi phénix. Maintenant, on part vraiment sur l'univers de Jade. Voyons voir les buffs. Deux petits buffs de mana. Regardez-moi ce coquin là. Les auto-attaques sont géniales par contre. Ouais, j'ai tué un peu, je suis désolé. Je m'attendais pas à entendre d'ailleurs. Les attaques sont juste géniales. Et les minions, regardez, c'est des petits ninjas. Tu vas te calmer? Hein? On se met d'accord? On arrête? Voilà. Alors, les petits minions. Regardez ça. C'est des petits ninjas, c'est génial. Ils sont trop marrants. Bon, vous mourrez. On va aller voir le buff de combat, le buff rouge. Donc, ouais, il y a des petits tics qui vous attaquent, donc ça c'est vraiment pas mal. Lol. J'ai pas de voice pack. Ah, il y a un petit bug sur les animations, d'accord. Bon, ça c'est pas grave. Je voulais voir en fait les animations de combat. Vas-y, attaque-moi. Ah, là c'est mieux. Je me dis, tiens, je prends des dégâts, mais ça bouge pas. C'est assez chelou ce truc. Donc voilà, ça c'est le buff de combat. On va aller détruire la tour pour voir l'animation de cette petite tour détruite. En plus, j'ai pas la nouvelle sol qui me permettra de péter la tour en deux. Ah, j'ai même pas utilisé mon... Regardez, j'ai utilisé mon nouveau trinket, là. Hop, donc là, ça lui a diminué son armure. Reviens, merci. Acheter une hog, je l'utilise pas. On verra ça dans... Donc le phénix, hein. Belle bête, hein. Plutôt joli, plutôt sympa. Allez, viendez les mignons, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ça n'a aucun sens. Alors, génial, cette map est juste magnifique. On va péter ce phénix. Hein. Hop. Meurs, 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 meurs. Les animations sont délicieuses. Ah, oui, c'est vrai qu'on peut pas passer au travers. Et là, on arrive dans la base ennemie, ça y est. Donc, on ira péter la gueule du titan là-bas plus tard. On va aller retourner voir ce buff bleu. Donc vous avez vu, la jungle, c'est assez sympa. Et c'est casu. C'est joli. Im. D'accord, nul. Nul sur 20. Merci pour ce buff. On passe. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
On va attendre que celui-là arrive. Donc il arrive à 5 minutes. Petite jump cut. Oui, on est revenu. Donc vous allez voir le gros monstre. Bonjour monsieur. Elle est vénère. Les auto-attaques sont vraiment sympas, d'accord. C'est quoi? Et ça, ça fait quoi? Ah ok, d'accord. Bon, je vais vous demander de vous arrêter. Par contre, hein, il y a un moment où il faut se calmer. On va le défoncer. Et je me suis trompé. Il arrive à 4 minutes. Ah d'accord, je me suis dit c'était quoi ce spermatozoïde qui vient de partir, vous l'avez vu? Bah ce spermatozoïde en fait c'est ça qui fait que les tours vont arrêter de taper. Et donc maintenant on va pouvoir aller péter le phénix et on va aller détruire son titan. Vous avez les animations du titan sont magnifiques. J'ai déjà regardé hein, bien sûr. Hop, bonjour, hop, bonjour. Bon, c'est un combat plutôt compliqué. Parfait. Et donc maintenant les animations, vous allez voir. Attaque, attaque et... c'est génial. Ça, la grosse hog. Et on défonce cette bestiole. Regardez-moi ça. C'est génial. Réellement, cette nouvelle map juste, elle est magnifique. Je surkiffe les mecs. Super bon travail. Bon, on vient de défoncer un bot. Hein, on en avait à peu près rien à faire, c'était juste pour voir à quoi ressemblait la map vite fait et on va voir à quoi ça ressemble in-game directement. Allez, jump cut. Ok, on est reparti, donc ce fois avec des vrais gens sur la nouvelle map, juste toujours. D'accord, ok. On a une Amaterasu qui a décidé qu'elle partirait off-tank. En face de nous, on a la Sol, 12 Domi. On verra bien ce que ça va donner. Réellement, on va s'éclater. Je pense que le but au début, c'est d'aller faire un gros fight, pour un gros fight sur le rouge. Ça m'étonnerait qu'il faut sécure le bleu, tu vois. On va faire un gros rush sur le rouge. On va essayer de le défoncer. C'est bizarre. On va voir. On va commencer, je pense, par la... J'avais envie d'essayer le crève-cœur. Spectral Armor. Non, non. Non. Mais le crève-cœur, le nouveau crève-cœur me fait marrer. Ah merde, par contre, je sais pas comment est-ce qu'on l'écrit. Je suis plutôt bien là. Il est où? Il est où? Il est où ce nouveau crève-cœur? Il est plus là, d'accord. Bon, et ils l'ont appelé différemment. Donc on va repartir la transcendance. Est-ce que ça aussi ça a changé? La transcendance. Transcendance. Non, c'est bon, ça a pas changé. Nickel. On met pas 2 jours à acheter chacun. Hein. Parfait. Ah merde, j'ai oublié d'acheter ma trinket. Et oui, c'est vrai. Donc ça, par contre, la trinket, je trouve que c'est un gros nerf de... Il est où, la purif, là-dedans? Perle de purification. Trop nice. Nickel. Donc, le fait d'avoir enlevé, en fait, de pouvoir acheter une trinket maintenant, dès le début, je trouve que c'est un gros nerf sur RS, hein, c'est très clairement. Bon. On a fait le gros rush du rouge, hein, comme je l'avais prédit. On est des gros Pokémon. C'est pas grave. Ok, nickel. Bon. N'hésite pas à le prendre hein, si ça te met bien. On a le Hapouche qui est AFK. Hein. On va pas râler. Ah. Ah. Bien joué. Au moins elle est pas morte. Il est où, il est où, il est où? Ça suit? Non, c'est bon. Pas mal, pas mal. Bon, pour. Qu'est-ce que. Ah merde. Eux ils sont tous là par contre, hein. Ouais, je suis d'accord. Je pense que je vais me prendre une petite chaînette là, des familias. Je farme tranquillement. Je suis sécurisant. Ah, d'accord. Ils ont pas fait le buff rouge. Ok. Ah, no curseur, can't buy. Ben, ça c'est le problème. Hein. Désolé, unhappy pour toi, ma gueule. Totalement unhappy. Amaterasu, elle no care. Elle vit sa vie. Non, non. Faites pas ça, faites pas ça. Je te connais. S'il te plaît, hein, tu vas te calmer. Donc là, vous avez vu, j'ai pu un stand purif pour pouvoir jump back. J'étais tout seul en 1v3. Donc, j'ai vraiment pas hésité. Hein. J'ai pas du tout hésité. Parfait. Est-ce que le back est intéressant pour moi? Ah bah, oui, normal, normal. Ah oui, il fallait... Par contre, si jamais l'autre il met un gros flash. Bonjour. D'accord. Tu vas te calmer de suite, Thor. Hein. Tu fais le malin là, hein, hein mais... Non, non, Sol, Sol. Ouais, voilà. Ok, merci Sol. Très très intéressant. Wow.
Il a fait ça rapidement quand même. On peut dire ce qu'on veut, il a fait ça rapidement. Le bac. Le bac qui est revenu, un Materatsu qui hésite pas, hein. Son power spike niveau damage est quand même level 4, on le sait. Elle a go in, elle a pas hésité. Non, à aucun moment, fallait qu'elle hésite, fallait qu'elle y aille. S'il te plaît. Oh non, non. On va dire qu'on a bien trade, hein. Bien joué. Hein. À ce moment-là, ouais, on peut féliciter quand même, hein. On peut féliciter cet Ares avec. Wouh! Ah, attention! Attention dans la forêt! Ah, ouais, c'est vrai que je pourrais sauter sur moi-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle visite! 2 millions! Hop! Non, mais à quelle heure ça touche, ça, s'il vous plaît, les amis? Non, je dis non. Non, non, totalement pas. Ça devait pas toucher. On revient, on annule. On prend. Ah, il me faut des potions de vie. Ça me fait bi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle visite. Non, elle est en mode. Elle no care. Elle est chez elle. Go, on y va. À push. C'est d'après ce que j'ai compris. Ah bah ça y est, il a trouvé. Il a trouvé la touche pour acheter. Un grand bravo. Un grand bravo à ce Apouche qui a fini de lui-même, tout seul, à trouver ça, quoi. Alors par contre, ouais, le buff, le gros méchant qui est de l'autre côté, pensait même pas essayer de le défoncer. Ouais, d'accord, bah vas-y, éclate-toi. N'essaye même pas penser. LOL. Oh, j'ai cassé mon ulti, il est pas parti, je suis dégoûté. Papa, maman, je suis dégoûté. Ok, bon. Non, Thor, fais pas ça. Je connais, hein. Wouh! Le fail! Le bon vieux fail des familles, hein. On n'hésite pas à le call, y a pas de problème. J'ai pas réussi à le rebalancer dans le... Ouais, bah en fait dans le mur, hein. Il a bien... Non, il a pas pris du tout mon 2, il était nul. Dommage. Allez, go. On va le laisser à push, peut-être, non? Oh. Ouais. Oh, punaise. Ouais, bon, bah, j'ai tenté. C'est bien, t'as bien fait de prendre le bleu. C'est pas worth it. Allez, on continue. On va prendre ses bottes. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, ça... Et... Ça fait trop bizarre au début, je vous promets les amis, j'ai toujours envie de payer ma purif, mais ça n'est pas possible. Go. Non, non, les amis, bah... On se connaît maintenant, non? Ok. Erreur 404, aucun dégât trouvé. Allez, Ama, n'hésite pas à ulti, hein. Voilà. Oh. Ça c'est fait. Parfait. Bon, bah au moins on aura fait son petit kill. Ça ne, c'était pas trop dégueulasse, hein, de notre côté. Ça aurait pu être largement pire. Qu'est-ce qu'il fait? Mec. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Reste là-bas, toi. Reste là-bas. N'hésite pas à rester là-bas, hein. Tendrement, doucement, amicalement. Oh merde. Ah, là, vous avez vu le gros jump-in, hein, qui est... Et mes amis, qu'est-ce que vous faites derrière? Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devant avec moi? J'adore. Honnêtement, je suis en train de redécouvrir Anur. C'est un petit plaisir, cette bestiole, hein. Merci. Merci de me le laisser, hein. N'hésitez pas. Et pas laisser ça au hard carry. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça et donc ça c'est, je sais plus c'est quel niveau, on s'en fiche pour le moment. On va pas chercher le crève-cœur, on va chercher du lifesteal, on continue. Enfin, j'aurais pu prendre le nouveau gantelet. Et on retourne sur sa lane, les amis. On va essayer d'aider ces petits Pokémon là qui me servent de poteau. On se met bien, on se cache pas que la game est sympa pour le moment. Malgré la complication. Complicalisation. Oui, je sais. Je tente des mots un peu complicados.
Qu'est-ce que vous faites? Lui, il fait des trucs dégueulasses dans mes oreilles. Regardez, regardez. Wow! Oh Benze, est-ce que c'était ton vrai? Ah, c'était pas con. Oh, en temps pour l'ulti, nickel. On va se calmer de suite. Amaterasu qui continue à visiter, hein, n'hésite pas, elle se met bien. N'hésite pas Ama, hein. Hop, hop, on esquive. Regardez, regardez là. Elle est trop mignonne. Elle arrive sur la lane comme ça, tu sais. En mode, bonjour, j'ai entendu du bruit. Je sais pas s'il y a un fight. Mais s'il y a un fight, moi, non. Oh, oh non, je le sentais. Je le sentais, bien joué. Bien joué à lui, il est carrément venu me chercher. Bien. Hésitez pas, hésitez pas. Est-ce qu'elle a déjà ulti? Ah oui, bah oui, elle l'a pris. Et oh là là! Est-ce que c'était pas la grosse auto-attaque quand même d'Amaterasu? Qui va se cacher? Ah, ça c'est pas mal. L'idée est pas mal. Elle essaye. Voilà, bien joué. Comme ça, ils prennent l'aggro de la bestiole. La bestiole est reset. On va essayer d'aller aider cette pauvre petite Amaterasu qui. Elle s'amuse, elle se joue de. Elle se. Oh, c'est pas mal, honnêtement. Et ben voilà. Et elle est où? Elle est où? Oh, t'es sérieux? T'es sérieux, mec? Tu savais que t'étais mort en plus. Dans ta tête, t'es mort, quoi. Hop. Oh là 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 là, comment est-ce que j'ai pu louper ça? Non, mais honnêtement. Hop. Oui. Je vais quand même pas me remettre un ulti, hein? Ah non, on est d'accord. Non! Fais pas ça! Fais pas ça, on est potos! On est potos, ma gueule! Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté de la part de cet homme? Go, on y retourne. Qu'est-ce qu'il a comme stuff pour me faire. Ah oui, il est full pénétration. Et il continue. Hop, on se heal. Oh merde. Oh. Oh bit. Oh bit. J'ai vu le moment où il allait me rusher, le méchant. Non, la tour, non, la tour, on peut la laisser tranquille. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose pour. Et on y retourne. Mon ulti était juste horrible. Hey. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Easy back, encore, le meilleur. Oh là là! De sert à rien! Non, mais c'est, par contre, c'est marrant! Réellement, cette map, elle est super sympa. Elle me paraît un peu plus casu que l'autre. Voilà, j'ai réussi par contre le combo, jump, on stun contre le mur, on récupère ce qu'il a récupéré. Mais le souci, voilà, c'est que la seule. Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'accord, elle a go pour péter sa malédiction dégénérative dessus. Non, je pense qu'ils ont été fébriles face à ce move. Hein. Ils ont dû sentir en fait qu'elle était au-dessus. Techniquement, Amaterasu était là, tu vois, et eux. Ah, elle counter jungle. Elle met le respect à ce niveau-là. Pas de problème. Ah. Hop. Dommage, hein. On tente des choses, ça. Hop, on s'enfuit, hein. On lui met des petits autos. Non, c'était pas mal, ça, c'était marrant. Hop. Ah, mais oh, wow, wow. Stop the breaking down. Oh, quand même. Il y a un moment où ils vont nous détruire le truc, l'anus, ouais. Ça, je pense aussi. À push, ça va. Il gère la backlane. Par contre, le Thor, je sais pas ce qu'il nous fait. Ah. Thor. Oh.
D'accord, si ça t'emmerde hein, que je te fasse des dégâts, juste pas me le dire. Oh, d'accord. Erreur 404, damage not found. Ah mal back. Oh c'est Tama, oh les mecs. Oh là, et en plus celle qui... C'est elle qui gagne le fight, hein. Enfin c'est elle qui a le plus de kills quoi. Non elle mérite. Vraiment elle mérite. Pourquoi je crois... J'aurais dû partir sur la pénétration en fait. J'étais complètement con sur mon stuff. Allez go, on... Ah bah dommage, dommage. Non. Oh. Wow. Eh. Est-ce que ça serait pas le début de la fin pour eux? Go, on y retourne. Je vous promets, je vais vraiment m'améliorer. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Non. Qu'est-ce que... Bah oui, c'est pas... Ok. Non, non. Non. S'il vous plaît. Mais on en a rien à faire. Pourquoi fast? On fiche du fast. Enfin... D'accord. De toute façon, ça, ça, j'ai vraiment pas les dégâts, hein, regardez. Oh, quoique. Mais... Ah ouais, d'accord, mon poteau lui est rentré dans le cul, mais il a disparu. Oh, là. Il le rend pas. Au moins, il le rend pas. Oh là là, on s'est fait ouvrir. Allez, on continue là-dessus. Donc voilà, vous voyez, c'est ça qui est génial, c'est que maintenant, leur phénix et leur tour ne tape plus. Donc là, on va pouvoir l'utiliser allègrement, on n'hésite pas, on y va, on va taper les tours, on ne prendra plus de dégâts. Et je crois qu'on aura un peu plus de puissance. Mais bon, vu qu'on est mort, niveau puissance, c'est perdu. Alors, j'up mon 1, mon 3. On est comme ça, on va pas se prendre la tête. C'est trop marrant. Par contre, l'aura rouge autour, c'est vraiment marrant, ça. On va focus, faut que je focus sur ce game là. Ah maintenant c'est bon. On a joué au con. On va y arriver. Ah oh, ça c'est... Les animations. Mais non. Ah. Ult de Ares. On met un poteau. On continue, on met bien tout sur le tank. Hein. Allez, enfuis-toi, tu me fais peur. Oh. Oh! Est-ce que ça serait pas le shot dedans? Pourquoi tu vas pas? Ouais, petit lag. Petit lag des familles. Le Thor a disparu. Ouais, non, je préfère faire le buff. Donc là, là voilà. Elle, vous avez vu, elle a pas pris les dégâts de la tour. Ah merde, j'ai déjà un bleu. Trop marrant. Allez! Ouais, vas-y, n'hésite pas à strike, hein. On va... Le back ici, j'ai pas du tout envie qu'il multi l'autre. Ah bah voilà. Oh non mais il m'énerve. Ça c'est fait. Oh bravo, bravo Benzet, c'est vraiment le meilleur. Sur quoi je vais partir? Qu'est-ce qui pourrait être fun à prendre? Le flash supérieur. Ah oui, bah oui, le flash supérieur. C'est quoi? Est-ce que je peux le vendre? Ah non, par contre, dès que vous l'avez acheté, c'est fini. Le flash supérieur, voilà, c'est celui où vous pouvez flash si jamais vous n'avez pas été touché. Ah, mais il finit. Go. Hop, on met quelques dégâts. Il m'énerve, lui, réellement. Hein. Lui, il commence... Ah bien, merci, merci mon petit Voran là, n'hésite pas, hein. Ouais, n'hésite pas à courir en rond, n'hésite pas à pas balancer un spell. Quoi? Ah la Mata, la Materatsu nous balance quand même un fucking noob. Hein. Il est sérieux, bon bah voilà. Ah, on s'est fait ouvrir, le Thor est au-dessus, hein, très clairement. Comment est-ce qu'il peut... Tu peux améliorer ça? On continue. On s'est quand même pris un gros fucking noob, les amis. Ah mais c'est vrai qu'il y a tout le niveau maintenant critique. J'ai oublié de le regarder. Coup critique, vous avez ce nouvel item. Peut-être. Peut-être. On demandera confirmation après, ma gueule. Hop.
Go. Ça m'étonnerait qu'ils soient en train de faire le gold. Je vois pas. Enfin, ça leur donnera plus de puissance, mais bon, après, ils auront pas forcément le petit plus du... Non, mais tu vois, elle est là, elle va bien. Hein. Je vais pas me route. Je suis caché. Vous ne m'envoyez pas. Non, mais n'y allez pas, mais... Casse. Mais oui, mais sans déconner, faut qu'on défende. On peut pas défendre. On peut pas le faire. Regardez, faut qu'on défende. Là, ça. Tous ces millions, tu crois qu'ils vont partir comment? Voilà. Mais les dégâts de ce truc! Il est sérieux! Il me défonce! Sans déconner, ce tort! Mais non, on va pas sur N. On va pas sur N parce qu'en plus. Non, c'était fait exprès, je voulais absolument perdre. Pour pouvoir voir à quoi ça ressemble la mort de ce titan. Comme ça, vous aurez vu la deux, les deux morts. Le nôtre est un peu moins swag que l'autre. Ah, Mad Pixel. Trop marrant. Trop marrant. Donc voilà, les amis. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous amuserez autant que moi sur cette nouvelle map Joust. Et je vous dis à bientôt sur les champs de bataille. Love, feed, and kiss.